Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV, c'est Parole d'entrepreneur et notre invité maintenant s'appelle Emmanuel Lehmann. Il est consultant en sécurité économique, bonjour. Bonjour. Alors consultant en sécurité économique, qu'est-ce que cela recoupe exactement cette fonction ? Très bonne question. Sécurité économique, c'est prévenir les risques de vol d'informations, de fuite de savoir, de savoir-faire et de déstabilisation. Aussi bien pour des PME que pour des grands groupes. D'accord, alors. Vous êtes officier réserviste de l'armée, vous avez fait l'ESSEC et l'école de guerre économique en formation continue. Vous êtes toujours intéressé à ce problème de sécurité au cœur de l'entreprise ? Alors pendant plusieurs années, j'ai aidé les entreprises à se développer. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup de failles. C'était finalement facile de voler du savoir, que la malveillance humaine était très présente, que les règles de sécurité n'étaient pas toujours respectées. Je me suis intéressé au domaine qu'on appelle sécurité économique et pendant plusieurs années, j'ai fait des recherches, j'ai fait des audits de sécurité avant de sortir un livre sur tout ce qui est contre-ingérence économique qui détaille toutes les techniques qui sont utilisées par l'attaquant pour aller voler de l'information dans les entreprises. Ces techniques sont aussi bien de l'intrusion informatique, certes, mais aussi de l'intrusion terrain, s'introduire dans les zones de sécurité, manipuler des individus, ce qu'on appelle social engineering. Utiliser cette malveillance chez beaucoup de collaborateurs. Voilà, il y a de multiples exemples qui sont expliqués, qui sont là en fait pour sensibiliser le chef d'entreprise, sensibiliser les managers, les cadres, l'ensemble des salariés de l'entreprise aux techniques qui sont utilisées pour permettre de détecter les premiers signaux. D'accord. Alors, on a deux grandes catégories dans la sécurité économique, l'espionnage économique, la déstabilisation de l'entreprise. On va commencer avec l'espionnage économique. C'est une réalité qui touche tout le monde parce qu'on a quand même toujours l'idée que ça touche les entreprises, les grosses boîtes dans les milieux très sensibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces grosses entreprises, ces grands groupes, par exemple ceux du CAC 40, de même que les entreprises innovantes, celles qui travaillent dans des secteurs dits stratégiques, dans la défense, dans l'armement, elles sont relativement bien sécurisées, elles ont des politiques de sécurité qui sont éprouvées. Les services de l'État sont là pour les tester, pour les accompagner, la DPSD, la DCRI. De leur côté, en général, les risques sont relativement limités. Le problème se pose pour toutes les autres entreprises, les TPE, les PME, les PMI, qui, elles, se sentent finalement à l'abri, mais injustement. Ces entreprises représentent 80% du patrimoine économique de notre nation, c'est énorme. Et du fait qu'elles n'ont pas conscience de ces risques, ce sont des proies d'autant plus faciles à déstabiliser. Alors l'espionnage économique, c'est quoi ? C'est de mettre des micros ? C'est d'aller fouiller les bureaux la nuit ? Ou ça peut être beaucoup plus simple que ça ? C'est ça, mais ça peut aussi être beaucoup plus simple. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de définir quel est le profil de l'attaquant. Alors, beaucoup d'entreprises vont penser tout justement, ces petites entreprises, que ce sont des services d'État étrangers qui vont attaquer et piller les grands groupes. Ça arrive, bien sûr. Mais la réalité, en fait, c'est qu'un concurrent mal intentionné peut aussi très bien arriver à déstabiliser une entreprise. Et la nationalité, je dirais, de l'attaquant n'est pas automatiquement, pour aller dans les clichés, russe, chinois ou américain, loin de là. On retrouve aussi bien des entreprises très agressives dans certains pays européens, mais aussi de l'intérieur. Qui vont essayer de connaître vos nouveaux produits, vos nouveaux projets commerciaux. Voilà, des plans de fabrique, enfin des secrets de fabrique, des plans de développement, des fichiers clients, l'organisation commerciale, la politique de prix de l'entreprise, des réponses aux appels d'offres. Les exemples sont multiples. Vous disiez que ça pouvait être tout simplement aller déjeuner dans le même café que les collaborateurs d'une entreprise et laisser traîner l'oreille. Effectivement, sur les techniques qui peuvent être utilisées, les techniques malheureusement les plus simples, c'est dans le train, dans l'avion, dans les lieux publics, dans les halls de gare par exemple. On considère qu'on est tout justement dans un lieu public et donc c'est un lieu qui est anonyme. Rien n'empêche une personne mal intentionnée de suivre un individu cible et d'écouter ce qu'il dit au téléphone, de regarder sur quoi il est en train de travailler dans le train par exemple. Ces risques-là sont trop souvent minimisés et c'est tellement facile.
à la portée de n'importe qui. D'autres exemples, ce sont les restaurants, je dirais les bistrots en face de certaines entreprises où l'ensemble des collaborateurs vont déjeuner, aller prendre une bière en fin de journée. Et bien sûr, ça parle beaucoup, ça parle des ragots en interne, éventuellement des dossiers en cours sur lesquels on est à la bourre. Et là, un concurrent, un individu mal intentionné qui sait écouter attentivement, il peut obtenir beaucoup d'informations. Effectivement, il faut faire bien attention à ces petits détails. Vous intervenez aussi sur la déstabilisation de l'entreprise. La déstabilisation de l'entreprise, ce n'est pas forcément une autre entreprise, ça peut être des groupes de pression parce que vous faites quelque chose qui les dérange. Voilà, j'interviens pour certains grands groupes pour anticiper et prévenir ce type de crise. Ces crises, je vais vous donner un exemple qui est, public, qui est le cas de Lafarge, qui a souhaité développer des nouveaux sites industriels sur la façade atlantique il y a quelques temps. Lafarge a rencontré des problèmes avec différents acteurs, notamment ce qu'on appelle des activistes qui, à tort ou à raison, ont réussi à impliquer des collectifs de riverains, d'autres acteurs comme des élus politiques, des acteurs économiques. Finalement, toute la panoplie des acteurs de la région, du site en question, peuvent être concernés. L'idée, c'est d'essayer de comprendre déjà quelles peuvent être les failles de l'entreprise sur lesquelles elle peut se faire déstabiliser. Et dans le meilleur des cas, c'est arriver à les corriger et arriver à travailler avec des éventuelles personnes qui pourraient être adversaires ou opposants. Et surtout de comprendre la panoplie des acteurs qui sont dans l'environnement de l'entreprise. De savoir de quelle manière un concurrent ou un groupe de pression pourrait être à même d'instrumentaliser tous ces acteurs, de propager un message qui soit vrai ou faux d'ailleurs. C'est souvent de la rumeur. Et donc de comprendre ce mode de propagation de l'information, de savoir quels sont les réseaux d'influence et de savoir aussi où et quand intervenir et comment, de quelle manière, quel type de discours tenir. Réagir à chaud n'est certainement pas une bonne chose. Il s'agit bien de préparer en amont ce qu'il y a à dire et comment le dire. Emmanuel Lehmann, merci beaucoup. On va quand même citer votre livre. Petit traité d'attaque subversive contre les entreprises. Théorie et pratique de la contre-ingérence économique. Ah bah ça, c'est l'outil. Quel éditeur ? Chiron. Merci beaucoup. C'était Emmanuel Lehmann, consultant en sécurité économique sur MEDEF TV. Merci.